Salut à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne iOS et Android. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment changer la photo de profil. Bon, si vous voulez mettre pour votre première fois, donc je vais vous dire comment mettre une photo de profil sur sa chaîne YouTube. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti. Nous devons aller d'abord dans l'application YouTube. Et là, vous allez taper dans la barre de recherche, vous allez tout simplement écrire youtube.com. Et dès que vous allez sur une écrire youtube.com, vous allez lancer la recherche comme ça. Vous allez patienter quelques secondes. Bon, ça va s'afficher comme ça. Vous devez tout simplement cliquer en haut à droite, là où il y a les petits points, les trois petits points. Vous devez cliquer là-bas. Et vous devez tout simplement venir en bas dans version ordinateur. Vous devez mettre vos téléphones, vos navigateurs en mode ordinateur pour le faire. Et là, tout simplement, vous devez patientez quelques secondes d'abord. Et là, vous devez tout simplement appuyer l'icône de votre chaîne. Vous allez patienter un peu, ma connexion n'est pas vraiment forte. Et là, vous allez aller dans l'option paramètres. Et là, nous allons patienter un petit peu, ma connexion est faible. Bon, quand ça va s'afficher comme ça, vous devez tout simplement cliquer le premier lien. Comme ça, vous devez cliquer là-bas. État et fonction de la chaîne. Vous cliquez et là vous allez encore patienter. Excusez-moi, c'est juste que ma chaîne, ma connexion n'est pas très forte. Excusez-moi pour cela. Nous allons patienter quelques secondes. Et l'interface va s'afficher comme ça. Vous devez tout simplement cliquer en bas à gauche. L'avant-dernière proposition, non, je crois que c'est la dernière proposition. Vous allez cliquer là-bas et là vous allez tout simplement patienter encore parce que ma connexion elle est faible. Bon, ça va s'afficher comme cela. Bon, comme ça va venir comme ça, vous devez tout simplement cliquer la deuxième option, Bret Games, si je prononce pas mal. Je crois que c'est Bret Games. Vous allez cliquer là-bas et vous allez encore patienter. L'interface va s'afficher comme cela et c'est là que nous allons travailler. Pour modifier votre photo, vous devez tout simplement cliquer sur la première partie, donc le premier icône sur vous, on va vous montrer ajouter une photo. Bon, comme moi j'ai déjà eu à mettre une photo, j'ai déjà mis une photo, donc vous le constatez, j'ai supprimé et ajouté et modifié. Modifier va me permettre à moi de changer la photo si je veux. À vous, on va vous montrer juste changer la photo. Et en bas, comme vous le constatez, c'est pour la bannière. Comme là, vous avez trois versions, version téléphone, version ordinateur et version écran, écran de télé. Vous pouvez aussi, si vous avez une bannière, mettre la bannière. Et en bas, c'est tout simplement le logo des chaînes. Si vous avez un logo, vous pouvez le mettre là-bas, juste j'ai oublié comment on appelle. Bon, vous pouvez mettre, c'est une petite photo, une petite photo, une petite photo de votre visage, vous mettez ça là-bas. Comme vous le constatez, moi j'ai mis tout simplement dans l'intégralité de la vidéo. Vous pouvez mettre ça comme vous le voyez, ça au milieu, ça définir un moment où je sais pas. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai aussi oublié, si vous finissez de faire, de modifier ou de changer une photo, vous devez tout simplement cliquer en haut à droite sur enregistrer. L'option enregistrer va s'afficher dès lors que vous allez changer ou modifier une photo ou un truc là-bas. Bon, je crois bien que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Tadjou. Bye bye.